You may not know their taste or their texture, but this insect is crawling closer to your dinner plate. European health authorities have deemed the yellow mealworm safe to eat, paving the way for six-legged delicacies on a large scale. Cédric Auriol, je suis cofondateur et directeur général d'Agronutrice. On a été la première entreprise en Europe spécialisée dans l'élevage et la transformation d'insectes comme source de protéines. Donc nous avons élevé 9 espèces d'insectes, dont 3 de manière intensive, donc le grillon, le ver de farine et la mouche soldat noir. Le ver de farine, c'est une larve qui est le stade juste avant la métamorphose du ver de farine en scarabée. Donc on va retrouver un fort taux de protéines, aussi des acides gras de qualité et tout un panel de minéraux comme du fer, du calcium, du magnésium. Un élevage d'insectes va consommer 100 fois moins d'eau qu'un élevage d'animaux traditionnels. Dans cette pièce-là, c'est une pièce dans laquelle on a les mouches soldats noirs qui vont déposer leurs œufs pour faire émerger les larves qu'on va pouvoir utiliser par la suite pour l'alimentation animale. Et je trouve que c'est plutôt fascinant de voir que dans ce type de pièce, on va avoir près de 500 000 mouches et qu'on va pouvoir produire des quantités d'œufs très significatives. Le marché des insectes, c'est un marché qui a vocation à devenir colossal. Et donc nous, chez Agronutrice, on pense que l'élevage et la transformation d'insectes, c'est une des solutions les plus crédibles pour faire face aux défis alimentaires de demain. It won't be long before we can buy smoothies, burgers, or even pasta made from mealworms, as they become the first insects authorized on the EU's list of what's known as novel foods. That's a list that includes things such as chia seeds and baobab fruit pulp. 14 other insects are also waiting for the green light, including crickets, locusts, and litter beetles. Of course, the idea of seeing our supermarket shelves filled with insect-based delicacies can elicit a certain type of yuck factor. But insects have long been touted as a solution to cut the ecological impact in food production. And it's now time to convince consumers that not only is eating insects acceptable, but it could be critical to our food security. Les insectes, on les voit comme les ravageurs de nos cultures, comme le moustique qui transmet différentes maladies. Mais pourtant, ils sont tout aussi positifs pour nous que négatifs, et probablement beaucoup plus positifs. Je suis Philippe Le Gall. Ma passion depuis très petit, ce sont les insectes. Ils sont très différents de nous, hein, au point de vue de l'évolution. Et c'est cet éloignement qui fait qu'ils ont très peu de risques à nous transmettre des virus ou des bactéries. Des insectes comme le ver de farine, par exemple, ont été largement étudiés, ont montré qu'ils ne présentaient pas plus de risques, et certainement beaucoup moins même que, par exemple, les poulets pour ce qui concerne les prions. Hein. Donc, vous savez, c'est cet agent responsable de ce qu'on appelait la maladie de la vache folle. Sur le continent africain, on a de tout temps et depuis des millénaires consommé des insectes et de façon très importante. Pour donner un exemple, en République centrafricaine, ces chenilles de papillons, c'est des centaines de tonnes qui sont consommées par an. C'est vraiment un aliment constitutif de la ration alimentaire de ces populations. Dans nos pays, je ne ferai pas de prédiction, parce que qui aurait dit il y a 20 ans qu'on allait trouver des magasins de sushis à tous les coins de rue ? Et les insectes, aujourd'hui, c'est un peu dans ce cas-là. C'est quand même quelque chose qui est en train de se disséminer. Je m'appelle Laurent Veillet. Ici, on a ouvert un restaurant qui propose exclusivement des plats à base d'insectes, mais aussi on donne des cours de cuisine pour apprendre à utiliser les insectes dans les plats.
Le verre de farine, je l'utilise depuis 5 ans maintenant, donc j'ai pas attendu que la loi arrive. Moi, c'est mon insecte préféré, parce que ça a un goût assez élégant, subtil. En plus, visuellement, c'est sympa. Enfin, moi, je trouve. Il y en a qui me disent c'est un goût de crevette, d'autres qui vont me dire c'est plutôt des graines ou des céréales. Moi, personnellement, je trouve que ça a un goût d'amande, de noisette. Elle est belle, hein? Les insectes, ça coûte encore assez cher et c'est assez difficile d'en trouver. C'est à peu près entre 600 et 800 euros le kilo. Le plat signature, c'est un sablé au verre de farine et au comté. Il y a des insectes dans le sablé, donc en poudre, et on va en mettre aussi en garniture. C'est un début. Tout est inventé avec les insectes. À la fois dans les menus, dans les plats, mais tous les produits qu'on peut commercialiser. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. De voir que ça plaît autant, ça m'encourage à continuer.